suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un petit try and haul Shein. Donc je ne sais plus vraiment combien il y a d'articles, mais c'est des articles à moins de 10 €. J'ai jamais fait ce genre de vidéo encore. Donc j'ai pris plein d'articles à moins de 10 € pour faire des tenues. C'est pas spécialement des tenues d'été, il y a un peu de tout. Donc je vais plus trop tarder et je vais passer au début de la vidéo. Et du coup, ça arrivait en un seul colis, mais les vêtements ne sont pas, comme d'habitude, séparés dans plusieurs petits sachets. Ils ont fait 2 sachets. Et dans chaque sachet, j'ai encore 2 sachets avec les vêtements. Mais je me rappelle pas avoir commandé ça. Je me rappelle pas avoir commandé ça en fait. Ça oui, mais l'autre, il y a un truc à fleurs, ça me dit rien. Je regarderai par rapport à ma commande sur mon téléphone, mais ça fait une semaine et demie que j'ai reçu la commande. Et ouais, je sais pas trop. D'ailleurs, la vidéo doit sortir ce soir à 17 h. Il est actuellement 13 h. C'est un petit peu mort, je pense. Bon, on va commencer avec ce sachet là. Je me rappelle pas avoir commandé un truc comme ça à fleurs. Et pourquoi il y en a un autre là? Ça serait une robe ça. Dress. C'est robe. Je comprends pas. Je vais ouvrir celui-là en premier. Mais c'est moche. Mais qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Faut que je prenne mon téléphone parce que là, je suis pas sûre. Chine. Qu'est-ce qu'il me raconte? Commande expédiée, ça c'est bon. Ah, c'est pas du tout la même couleur en fait. Je vous mettrai la couleur que j'avais demandée. En haut ou en bas de l'écran, mais c'est pas ça. Ah, j'ai pris 2 robes en fait. Il y en a une rouge, il y en a une un peu rose, et je crois que c'est celle-là, mais c'est pas du tout le même rose en fait. Bon, je vais l'essayer et puis je reviens juste après. Alors j'avais un a priori, mais en fait elle est super belle. Franchement, j'adore, c'est une robe trapèze. Elle est cintrée au niveau de la taille. Elle est assez longue. Franchement, elle est super belle, j'adore. J'avais un peu peur, mais au final, elle est super belle. Elle est bien cintrée au niveau de la taille. Je l'ai pris en M, je crois. Dans tous les cas, je vous mettrai la taille et puis le prix en bas de l'écran. Mais elle est très belle. Donc je pense que l'autre, c'est exactement la même, mais en rouge. Mais franchement, elle est magnifique, j'adore. Pour l'été et tout. Trop bien. Ouais, j'adore. Avec des petits talons noirs, je pense. Ou beige. Mais non, franchement, elle est belle, elle est jolie. Bon, j'ai changé ma caméra de position au final. Donc j'espère que ça fera pas trop bizarre. Du coup, je vais passer à la deuxième robe. Donc c'est exactement la même en rouge. Donc je pense que je vais aimer. Je pense. Ah, c'est pas la même. Il y a une... Le tissu est plus... il y a une petite ceinture en fait. Bah, elle a l'air super mignonne aussi. Bah, je vais l'essayer également et puis on se retrouve après. Cette robe est magnifique. Mais elle est beaucoup trop courte. Ah, j'ai la haine. Je la voyais plus longue que ça. Je le voyais plus long que ça. Je vous mettrai la photo de ce que je devais recevoir et de ce que j'ai reçu. Mais c'est trop dommage. Elle est trop belle. Avec le petit... Il y a un petit nœud là qu'on peut faire. Donc elle est trop belle. Elle est super cintrée et tout.
mais elle est trop courte quoi. Donc tant pis, c'est pas grave. Je vais passer à l'article suivant. Je crois que ça c'est un cycliste. Donc ça, je voulais le mettre avec un petit polo que j'avais pris, un pull je crois. Donc je vous le dirai après. Qu'est-ce que c'est que ça? Un pantalon. J'ouvrirai après parce que je pense que j'ai des hauts, donc je vais faire des tenues. Donc j'ouvrirai après aussi. Ça c'est un jean. Et ça, ça ce serait une robe. Ok. Bah on va l'essayer. Déjà elle me paraît pas trop courte. Elle est très très belle. Elle est longue. Donc ça va. Elle est pas mal. Franchement elle est bien. En plus il y a encore un petit une petite ceinture. Donc elle fait vachement centrée. Il y a un beau petit décolleté. Non franchement elle est bien. Dommage qu'elle soit froissée. Mais non, elle est très jolie. Avec un petit blazer blanc et un petit truc blanc. Ça serait trop beau. Non franchement elle est belle. J'adore. Juste le petit bémol, c'est les manches. Elles sont recentrées. Et là, j'aime pas trop. Mais sinon, elle est vachement belle. Elle arrive au genou, donc comme la première robe. Donc, franchement, très jolie. J'adore. Ça marque bien la taille. Donc, j'aime bien. Ça va. Ça va, ça va. Reste à voir. Bah, une fois repassé, ce sera beaucoup mieux, quoi. Mais ouais, très joli, j'adore. Super. Un peu trop noir, j'aurais dû la prendre avec. Il y en avait avec des petits motifs. J'aurais dû en prendre une qui n'était pas unie. Mais ça va, c'est joli. J'aime bien quand même. Du coup, j'ai passé au deuxième paquet. Parce que les deux jeans et le cycliste, je vais l'essayer avec des vêtements qui sont dans ce paquet-là. Donc ouais, je vais ouvrir celui-là. J'avais pris un petit porte-clés pour mettre mes clés de bureau qui sont avec mes clés d'appartement. Ah, il est trop beau! Trop joli, j'adore. Après, c'est juste dommage qu'elle soit si petite, mais bon. Et là, je vais changer, je vais mettre tous mes clés sur celui-là. Parce que le mien est trop petit. Ah, mais trop bien, je suis trop contente. J'ai tellement de clés et de badges. Trop contente. Alors, ensuite. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, Marc? Bon, je vais le mettre là. Ça non plus, je sais pas ce que c'est. C'est une jupe. Ça je crois que c'est, ouais, ça c'est une blouse, donc je vais pouvoir l'essayer avec un jean. Je vais l'essayer avec mon jean blanc. Ça c'est un polo, un pull, donc je vais le faire avec un cycliste. Ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est encore un haut, donc avec un pantalon. Après le reste je sais pas ce que c'est. Ben on va ouvrir ça et puis je vais voir si je j'essaye ma tout. Oh mais qu'est-ce que c'est? Ah c'est un petit haut. Je vais regarder si j'ai pas d'autres robes ou autres que je peux essayer. Non, je vais l'essayer maintenant. Je vais l'essayer maintenant avec le jean blanc. Ah, j'ai peur que ça soit transparent. Oh, mais il est magnifique. J'adore.
J'espère qu'il est stretch, hein, parce que, ouais. Je vais l'essayer avec le haut noir et puis, ouais. J'ai peur que ce soit transparent, hein. Alors, autant vous dire que j'ai la haine. Le jean transparent, c'est du blanc transparent. C'est dommage, il était trop joli avec les petits trucs et tout. C'est pas grave, donc je vais vous montrer le haut. Déjà, il cache pas mal mon tatouage. J'aime pas, mais c'est pas grave. Et je pense pas que je vais mettre la petite ceinture, parce qu'en fait, il est très très centré. Donc je pense pas que je mettrai la ceinture. Mais il est vachement beau, franchement, j'adore. Ouais, j'aime bien. Mais ouais, je suis déçue pour le jean, quoi. Il est vachement transparent. Donc bah, c'est pas grave. On va passer à un autre article, et puis voilà. Je vais directement mettre le jean noir et une petite chemise rouge, je pense. Du moins, je vais changer le pantalon. Même si ça, je le garde, je vais changer le jean. Je suis vachement déçue parce qu'il était tellement beau, mais bon. Tant pis. C'est plus un legging, hein. Bah écoutez, je vais le mettre et puis je reviens juste après. Bon, au final, ça fait pas si legging que ça. C'est plutôt, ouais. Un jean un peu. Un pantalon blanc. Je sais pas trop comment dire. Mais il est vachement bien. Il est vachement confortable et tout. Il a la bonne taille, non? Franchement. Super bien. Puis avec le noir, ça fait bien. Une petite veste blanche. Puis un petit blazer blanc et puis voilà. Donc là je vais essayer ça. Je pense que ça c'est une chemise. Ah. Ouais, je vais l'essayer. Je pense que ça ferait bien. Ça va bien être aussi avec le blanc. Tant pis, c'est pas grave. Alors le haut, il est très joli. Avec du coup les petits motifs là. Il est très joli. C'est un basique. Hein. Rouge basique, une passe partout, mais non, j'aime bien, il est bien, la matière elle est aussi bien quoi, sur tous les vêtements les matières elles ont été top, j'ai oublié de le préciser mais les matières étaient vraiment top, donc c'est pas mal, c'est cool. Ah, Domino's pizza, moi aussi j'ai envie d'une pizza, j'ai toujours pas mangé et il y a à peu près 13h je pense. Ma vidéo doit sortir à 17h. Voilà, ça ne sera pas le cas malheureusement. Alors, je suis pas mal fatiguée en ce moment. Donc, puis j'ai eu une allergie au pollen au niveau des yeux, c'était horrible. J'avais les yeux rouges, oh là là, c'était une horreur. Je suis toujours allergique au pollen, donc bon, c'est pas grave. On s'habitue. Mais non, il est pas mal, franchement j'aime bien. Je vais l'essayer je pense avec une jupe. Parce que je pense que j'ai une jupe noire dans le lot. Donc je vais l'essayer avec. Ah non, c'est pas une jupe. Ah. Oh, trop beau. Oh, c'est trop joli. Est-ce que je n'essayerai pas maintenant? Mais noir sur noir, ça va pas le faire. Je vais voir si j'ai pas un autre bas. Donc ça, je vais le garder pour le moment. Ça c'est quoi? Une jupe? Ah, ça serait bien une jupe. C'est la même jupe que j'ai en noir. Et j'ai pris en rouge. Non, c'est pas tout à fait la même. Bah écoutez, je vais essayer la jupe. Avec ceci. Avec le petit... Youpsi. Avec le petit haut. Je vais l'essayer. Oh, mais il y a plein de dentelles. La manche, elle est presque toute en dentelle. Oh, ça va être trop beau. Oh, j'essaye ça tout de suite. Ça va être une pépite. J'adore. J'adore vraiment. Mais la jupe est très serrée. Elle est très très serrée. Elle est belle en rouge comme ça. Elle est magnifique, mais elle est beaucoup trop serrée. Mais non, franchement, ça va super bien avec le petit haut. On a ça du coup sur toutes les manches jusqu'à l'arrière. Pareil à l'autre. Avec la petite dentelle ici.
C'est très joli, mais la jupe est très, très, très serrée. C'est très serré. Mais je pense que ça va le faire. Mais vraiment, c'est magnifique. Je me regarde dans mon miroir en même temps. Ça fait bien. J'adore le blanc, il casse un peu les couleurs. J'adore, franchement. Trop joli. Ah, j'aime trop. Non, franchement, c'est bien. La jupe au niveau matière, c'est à peu près la même que celle que j'avais prise dans l'autre machine. Donc, vachement bien. Trop serré, mais ça va le faire. Mais non, franchement, c'est magnifique. Trop joli. Rien à dire, j'adore. Trop joli. Alors, il me reste 4 articles. Donc ça fera un combo, ça fera une tenue. Et ça, c'est quoi? Une jupe et... on ne sait pas. Alors... qu'est-ce que c'est ça? Ah! Le même que le rouge en noir. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bah, j'ai gardé la jupe. Et puis je vais l'essayer, mais s'il est exactement pareil que le noir, je pense que ça va être bon quoi. C'est joli. Le haut est joli, c'est comme le rouge, donc rien à dire. C'est comme le rouge, donc non, très joli. Pareil avec les petits détails sur les manches. Donc non, pas mal. J'ai pris... je crois que j'ai... je l'ai pas pris dans la même taille. Je sais plus. Mais j'ai pas l'impression que ce soit la même taille que le rouge. Mais parce qu'il est plus amplifié que le rouge qui était plus serré. Mais non. J'aime bien. C'est un basique, hein. C'est un haut basique, mais très joli. J'aime bien. Bah du coup je vais passer à la jupe noire. Bon. Il m'énerve à mettre leur bout de papier là. Ah mais c'est pas une jupe. Ah mais c'est pas une jupe en fait. C'est un haut noir avec des petits boutons. Oh, les motifs ils sont trop jolis. Je sais pas si le focus il se fera. Mais les boutons ils sont trop jolis. Ah trop beau. C'est beaucoup trop joli. Trop beau avec les petits boutons. Trop joli. Pareil avec mon petit blazer blanc, ça fait trop bien. Je commence à être de plus en plus décoiffée, ça annonce la fin de la vidéo, il va suivre 2 articles. Mais trop joli. Franchement j'adore. Ou avec ma jupe noire, ouais, mes lentilles noires. Ça y avait pas. Non mais comme ça c'est trop joli. J'aime beaucoup trop. Ah je suis trop contente. La matière elle est bizarre quand même. C'est un tissu qui colle assez à la peau. Donc j'aime pas trop. Après les manches sont trop longues. Voilà. Mais non. Très joli, j'adore. Avec les petites épaulettes. Enfin, c'est des épaulettes bouffantes, des manches bouffantes en gros. Très joli, j'adore, mais c'est trop long pour les manches. Et le tissu, il colle beaucoup trop à la peau. Mais sinon, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. J'ai passé aux 2 derniers articles. Donc, il y a le cycliste et en pull. Donc... je vais essayer tout ça et puis je reviens juste après. Bon bah voilà la dernière tenue. Donc j'ai mis le petit pull Chicago. Je vais essayer de sortir derrière, j'aime bien moi. Et du coup j'ai mis avec un petit cycliste à manche. À poche, pardon. Bon, faut aimer. Mais moi j'aime bien. Ça fait un petit look streetwear. J'aime bien. Non franchement c'est super joli comme dernière tenue.
J'aime beaucoup. Il n'est pas trop long ni trop court le cycliste. Parfait. C'est vraiment parfait. Juste un petit peu trop grand. Je pense que j'aurais dû prendre le cycliste en une taille un peu plus petite. Mais je crois que ça m'aurait pas allé après. Ça n'aurait pas été. Donc tant pis. Sinon ça. Franchement ça va. Très joli. Très joli. Bah du coup je viens de finir tous mes articles. C'était déjà fin d'un trionaux, j'ai l'impression que ça a duré très peu de temps. Mais bon, c'est pas grave, je pense qu'il a quand même eu, il va quand même durer pas mal de temps. Je vous mettrai comme d'habitude le lien de tous mes articles en barre d'infos. Je tenais à vous remercier pour les 107 abonnés. Ça fait très plaisir d'entrer en arrivée là. Et ouais, franchement, je suis très contente. Vous pouvez me suivre sur Instagram, ça s'affichera juste ici. N'hésitez pas à activer la cloche. Ça fait déjà le deuxième Uber Eats qui passe. Il est 4h30, j'ai faim. J'ai chaud. N'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner. Ça me fera énormément plaisir. Peut-être atteindre les 120 abonnés, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à le faire. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Kiss!